Hey, salut Julie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, et oui, aujourd'hui je porte un pull moche de Noël, mais je l'aime bien. Dans cette vidéo, on va tout simplement s'ouvrir le pack de Noël du coin des barons que je me suis offert. Il est juste ici, il coûte 49€, je vous mets le récap de ce qu'il y a juste ici, de toute façon on va s'ouvrir juste après ensemble, donc vous l'aurez en image. Mais avant de commencer cette ouverture, j'ai deux choses très importantes à vous dire. Première chose très très importante, le samedi 14 décembre, je participe au live de Noël organisé par Konami, chez Konami. C'est un live qui est animé par Zulu, par Doc7, par Youbel. Il y aura tout le monde, clairement, presque tous les YouTubers sont présents. Je pense à des grosses têtes également comme David Lafarge ou encore Julia Gameuse. Vraiment, ça va être une super journée. Le live, il dure de 12h à 22h. J'ai une animation en début de journée. Pour ceux qui me connaissent, vous verrez que c'est une animation vraiment trop cool. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de la réaliser. Soyez présents, ça me ferait énormément plaisir de vous voir présent sur ce live. Sachez qu'il y a énormément de choses qui sont prévues pour vous et notamment pas mal de concours et des trucs très sympas à gagner. Donc voilà pour cette première annonce. Soyez présents, pour moi, ça va être le rendez-vous de l'année. Deuxième chose, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, pour les autres, eh ben, vous pouvez y aller, ça s'affiche juste ici, c'est gratuit et je donne pas mal d'infos en story. Pour ceux qui me suivent du coup, vous êtes au courant que j'ai une deuxième boîte de Noël à vous faire gagner. La valeur de la boîte évidemment c'est 49€, le contenu de la boîte, eh bien c'est ce qu'on va se déballer juste après. Et pour participer, c'est relativement simple, je vous donne les infos tout de suite. Je trouve que c'est vachement plus intéressant que de vous demander d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que la vidéo d'ouverture vous intéresse pas, mais que le concours vous intéresse. Et moi, mon intérêt, c'est de vous récompenser pour cette année de soutien, parce que ça fait énormément plaisir. Gros big up à mon partenaire Le Coin des Barons, qui me permet de faire ce concours-là, puisque c'est eux qui offrent la boîte directement. Donc pour participer, c'est simple, un petit pouce en l'air, un hashtag. Alors, attendez, j'ai pas réfléchi au hashtag. N'est pas baron qui veut. Je vous mettrai le petit hashtag qui s'affiche juste ici. Et évidemment être abonné à ma chaîne. Et j'ai décidé, c'est pas prévu du tout avec Le Coin des Barons, mais je pense pas qu'ils seront contre. Pour gagner cette boîte là, il n'y a aucune condition. Par contre, si on passe les 400 likes sur cette vidéo, je vous rajoute une Funko Pop Kaiba. Voilà, je peux pas faire grand chose de mieux, c'est ce que j'avais à la maison, donc je vous le rajoute, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, on a fait le point sur toutes les choses, je reparlerai sûrement du live pendant l'ouverture parce que ça me hype beaucoup trop au moment où je tourne cette vidéo. On va passer sur la deuxième caméra, on s'ouvre cette boîte et on va découvrir toutes les petites choses qui sont contenues à l'intérieur, c'est parti. Donc, on a une petite boîte juste ici, donc c'est une boîte Dune, donc la petite boîte de rangement qui fait plaisir. À l'intérieur, petit Field Center Yugi, ok, ça c'est plutôt cool. 50 sleeves et une boîte. Ça c'est pas trop mal également. On a un petit, alors ça je suppose que c'est le timer. Yes. Le timer c'est pour la, tous les joueurs compétitifs vont avoir un timer pratiquement. Et celui-là il est floqué Le Coin des Barons, donc ça fait extrêmement plaisir. Je vais remplacer le mien par celui-là, c'est sûr et certain. On a une petite poche de protection, pas très très intéressant, je suis d'accord. Ça a du flow. Ça a du flow, messieurs dames. Le bruit va être désagréable au possible pour vous. Oh, il est tellement stylé. Franchement, alors, on voit que c'est une réplique, il n'est pas parfait, etc. Mais pour le coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi stylé. Donc bah, ça fait grave plaisir. Et pour terminer, tac, ils sont là, ils sont juste ici. 9 boosters, et ça c'est plutôt cool parce qu'il y a des extensions très sympas. Un coupe-circuit, 2 points de feu, des soulèvements de la fureur, impact du chaos, mais si c'est chaos impact en anglais, et bataille de légende, tous les boosters sont en français, tous les boosters sont en première édition. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus que ça? Ce que je vous propose, alors je vais les ranger par ordre d'intérêt. Ouais, je pense que je les préfère dans ce sens-là. Donc je vais ouvrir ça en premier. Franchement, j'ai trop hâte. Alors ça, normalement, c'est des boosters de 9 cartes, ouais, parce qu'ils sont lourds. Je sais pas trop, ça fait, je venais juste de reprendre Yu-Gi-Oh! Je pense, quand coupe-circuit. Quoique, peut-être pas, je me rends pas très compte. Du crawler. Tac. Et du coup, j'ai pas ouvert beaucoup de coupe-circuit. Infravol, ça c'est plutôt cool. Redémarrage du lien. Bloc de sécurité. Et derrière, ok, du subterror. Médecin musclé. Espionne amazonaise. Renaissance télécommandée. Et du crawler. Alors, on va mettre juste la rareté de côté. Et les communes, juste ici. On enchaîne avec les points du feu. Dans les points du feu, j'ai pas toutes les cartes. Franchement, un petit panda, si ça pouvait tomber, ça me ferait énormément plaisir. Et après, de mémoire, il y a également les recycleurs de ferraille là-dedans. Donc, c'est pas trop mal. Ah oui, c'est vrai que c'est full rareté. Cardinal. Roi Tigre. Roi Tigre qui est une bonne carte qui se met partout parce qu'il tuto.
ours, et derrière, on a Pan. Mais Pan, c'est pas mal du tout aussi, hein, clairement. Et ben, franchement, ça fait plaisir, hein. Je suis pas sûr que ce soit celle qui cote le plus des deux, mais c'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vous mettrai un récap à la fin de ce que j'ai payé, donc la somme de 49 euros. Sachant que c'est 49 euros, frais de port compris, hein. Et surtout, le récap de ce que moi j'ai drop et de la valeur de ce qu'il en est, je pense qu'à mon avis, on va être supérieur. Du moins, comme on est parti, ça risque d'être supérieur. Ça, c'est toujours une bonne carte. Hein. Clairement, tu peux la faire tomber n'importe quand, c'est toujours une bonne carte. Et la dernière, un radiateur codeur. Alors, je connais pas du tout la cote de cette carte-là, mais ça reste une secrète, donc ça fait plaisir. Ensuite, les soulèvements de la fureur. Alors, eux, on sait qu'à l'intérieur, on a des cartes qui sont pas mal du tout. Notamment la petite Apollouza, de mémoire, si je me trompe pas trop. Franchement, si on fait tomber Apollouza, moi, je rachète une boîte. Clairement, je m'engage dans cette vidéo, je rachète une boîte et je refais une vidéo avec vous. Asso Simorgh. Oui, c'est vrai qu'il y a du Simorgh dans cette boîte. Du Yuzenju également. Et en l'homme en blanc. Ok, ça sera pas dans cette boîte-là, du coup. Oh, ça j'aime bien, j'aime beaucoup cette carte. Alors, je vous laisse lire l'effet 30 secondes. Vous pouvez mettre sur pause, ça m'évitera de la tenir trop longtemps. En fait, elle tuto et elle protège. Je trouve ça plutôt cool. J'ai essayé, enfin, je pense que je vais essayer de la jouer, notamment dans mon toon, parce que deux monstres sur le terrain, ça se fait facilement. Après, il faut que je trouve des moyens de reborn, mais... clairement, pour moi, ça se fait et ça a l'air d'être assez intéressant. Alors, du Yuzenju. Barrière céleste. Décharge de pioche, que je trouvais une très très bonne carte. Hein. Moine Tenny. Ça, c'est pas trop mal, mine de rien. Et derrière, on a Vague Marine Cess en ultra. Bon. Ça sera pas la petite Apollouza. Hein. Dragon DMZ. Douleur Yuzenju. Fantasy Mirror des rêves. Et un monstre. Mais bon, le petit Tenny, il est pas mal. Tac. On continue. Alors là, BLHR, on a Engage, déjà, qui est pas trop mal. Et on a Borelsport. Donc, ça peut faire plaisir. Franchement, ça peut faire plaisir. Du Hérovision. Marionnette de l'ombre. Guêpe de bataille. Ça, c'est cool. Du clair de lune. Et derrière, on a, yes, une secrète. Et c'est la chef harpie. Il m'en manquait une pour mon deck harpie. Donc, ça fait très plaisir, clairement. Ensuite. Alors, Assomnant Sonic, ça c'est pour les TG si je ne me trompe pas, oui. Les Saints Résurrecteurs, symbole de l'amitié, du Hérovision, et derrière... Ok, pour le coup j'ai vu du bleu, je me suis dit je vais enfin tirer un Borelsword. Eh ben non. Et là-dedans, on a quoi? On a de la Prisma, on a... le lien assassin, le dragon attaquant, pardon. Et on a un nouvel archétype, mais j'ai mangé son nom. Alors, collisionneur de suppression du Dino Lutteur, emmêlement spirituel, et derrière, du miroir des rêves en super. Tac. Océan de combat Marine 16, prélèvement de l'âme, criquet pèlerin et action magique. Tour complet, ça pour la Sneak Peek, c'était très cool. Eh bien, c'est déjà le dernier booster, mine de rien. Et là, j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, je suis trop content, je suis comme un gosse. Je m'achète mon cadeau de Noël, il y a des cartes cool à l'intérieur. Moi je suis content, franchement ça me va. Avion de patrouille, encore une fois, le double des verts, du Marine Cess, Brigne Gear, du Pet Gladiator. Ça c'est cool parce que de mémoire elle était un peu short print celle-là, elle tombait pas trop tout le temps. Et derrière on a un nouveau du miroir des rêves en super. Et bah c'est pas trop mal mine de rien, on a le Séraphin qui était pas mal aussi pour la Steam Peak. Héritage, si tu l'avais trois fois c'était trop fort. Et que en couronne, Marine Cess. On va faire un petit récap de tout ce qu'on a sorti. Donc on a eu pas mal de communes, rien de forcément très intéressant dans les communes, quelques petites cartes de support qui va me permettre de compléter certains decks, ça par exemple c'est une carte que je mets dans mon classeur de staple, alors c'est pas un staple mais on peut le mettre dans pas mal de decks donc je trouve ça plutôt cool. Et niveau rareté, alors déjà on a eu des boosters qui étaient full rareté donc ça fait extrêmement plaisir, mais surtout on a eu, ça je suis content de l'avoir fait tomber, miroir des rêves c'est plutôt cool aussi, encore du miroir des rêves, on a eu une première secrète qui est juste ici, du Hérovision. Une deuxième secrète que je suis content d'avoir fait tomber. Le moine tennis, c'est pas trop mal non plus. Vague Marine 16, faut que je vérifie la code. Je me rends pas trop compte. De toute façon, je vous mettrai le récap à l'écran. On a eu Venin. Venin, c'est toujours cool. Un radiateur codeur. J'ai aucune idée de sa cote. Je me rends pas compte de sa cote, mais de mémoire, c'est pas mal du tout. Et c'est tout. Voilà, c'était tout au niveau des secrets. On a fait tomber 4 secrets en quelques boosters. Ça fait plutôt plaisir. Mais regardez-moi cette rareté comme elle est belle. Alors, c'est pas de l'ultimate, hein, on est d'accord. Mais ça fait quand même super plaisir. Tac. Et donc, ça nous fait pas mal de cartes, mine de rien. Le petit Field Center. On va checker un peu les sleeves. C'est des sleeves assez classiques. Hein. Ah, j'avais pas vu la rareté. Je sais pas si vous la verrez à l'écran.
Mais ça, c'est plutôt cool, hein. Franchement, ça me fait un packaging supplémentaire pour mes decks rétro. Bah, ça fait toujours plaisir, hein, clairement. Et je suis en train de galérer, voilà, attraper ça. Ça, ça fait plaisir de ouf. Franchement, il est plutôt stylé. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous donne encore une fois rendez-vous le 14 décembre pour ce live. J'espère que vous serez nombreux. En tout cas, moi, je pense que je vais passer une journée de fou. J'ai beaucoup trop hâte. Concernant le concours, je rappelle, un like, un commentaire. N'est pas baron qui veut. Et un abonnement, évidemment. Si on passe le cap de like, je rajoute une Funko Pop Kaiba. Ça nous fait un concours à plus ou moins 70-80 euros. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois, c'est pour vous remercier de votre soutien et de tout ce que vous m'apportez tout au long de l'année. Si je continue de faire des vidéos, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos retours, c'est grâce à votre soutien et c'est grâce à votre présence. Donc, encore une fois, c'est pour vous. C'est pour vous faire plaisir et ça me fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, même si tu participes pas au concours, tu peux lâcher un pouce et t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao !